nouvelle journée. Outfit of the day, j'en ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire. Petit top blanc, basique, avec mon pantalon classe noir et des Converse comme tous les jours parce que j'ai pris que ça. C'est simple, ça passe partout. Et mon pull que j'aime trop. On dirait trop un pull de créateur alors que je l'ai acheté 40 balles sur Asos. Et voilà, let's go. Aujourd'hui, il y a les winners et loser bracket. Je viens de voir les loser bracket à l'hôtel parce que j'ai trop mal dormi aujourd'hui. Et malheureusement, pour FA Kids, c'est terminé. Je suis triste. Ils étaient à 3 points de passer dans le deuxième loser bracket et d'avoir une possibilité d'aller en finale. Finalement, pour eux, ça se termine là. Mais bon, en vrai, pour une team qui a pas joué ensemble, c'est trop trop bien. Enfin, c'est trop trop bien. Non, ils auraient pu faire mieux. Mais franchement, ils ont quand même fait 31ème sur la LAN. C'est pas mal. Du coup, GG à eux. Nous, on part pour la LAN. Voilà, on y va. On va aller miam miam là-bas. Et on va aller voir le winner bracket où justement Falcons joue. Donc, j'ai trop hâte de les voir. Arrivé à la LAN, là on va aller rejoindre les autres qui sont en train de manger. Le truc c'est que je n'ai jamais faim depuis que je suis ici. Hier j'ai mangé des nachos, c'est tout. Et premier jour j'ai mangé juste un burger. Je n'ai pas faim du tout. Je sais pas, genre je suis trop hype par l'e-sport et j'arrive pas à penser à autre chose et à faire autre chose. Du coup, let's go. Je pense que je vais les rejoindre à la cantine et en plus de ça la nourriture me donne pas trop envie. Et les gars, regardez, il y a un bus Intel. Ok les gars, là il y a un petit camion Intel X Alienware pour l'occasion parce que Alienware sponsorise la LAN. Et du coup en gros Intel ils ont un camion qui pendant 6 mois là bouge un peu de partout, enfin pas dans toute l'Europe mais en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ils font des petits passages dans chaque pays pour des événements. Ils ont été à la Gamescom, ils ont été au JO et tout ça. Là ils sont du coup à la LAN aux LGS en Allemagne forcément vu qu'ils sont là. Et c'est trop cool parce qu'en gros ils ont des PC portables Intel avec que des processeurs Intel et les gens peuvent rentrer pour y jouer. Voilà, pendant la LAN ils peuvent tester les nouveaux PC avec les microprocesseurs et les processeurs Intel, que ce soit des PC portables ou des PC fixes. Et c'est grave cool comme concept. Donc là c'est du Alienware forcément. Et là, on a tous les PC fixes avec des processeurs Intel. Et là, on a des PC portables. C'est trop stylé, j'avais jamais vu ça. C'est trop trop cool. Pour les gens pendant les pauses qui s'ennuient un peu et qui veulent jouer, parce que franchement, quand tu regardes la compétition Apex, t'as trop envie de jouer. Moi, j'ai trop envie d'aller sur mon PC et jouer. Et bien, ils ont juste à venir dans le bus pour faire quelques games et retourner à la LAN. Trop trop bien. Je sors du bus et finalement, ils m'ont donné cette casquette Alienware. Elle est trop mince. Voilà, petit cadeau, on gratte des goodies de partout. On est contents. J'aime trop les casquettes, je trouve ça trop beau. On est dedans, ça sert à rien, mais j'aime trop. C'est pour le flow. Non mais Elia, elle prend quoi? Que de la sauce. Elle a pris des assiettes de sauce pour la saucer. Elle est bonne la sauce? Incroyable. C'est quoi? Je sais pas, mais elle est vraiment bonne. Ah, voilà. Ouais, elle est bonne. Sur 10, tu lui mets combien? 15. Ah ouais, putain, elle est vraiment bonne. Y'a de la sauce encore ou pas? J'ai rien pris, j'arrive pas à manger. Non mais Elia, t'as cassé l'assiette? Non, 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 t'inquiète. Ah, tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal? Mais le pire, c'est que je suis vraiment une cotourette tranquille. Sorry! Ah bah bravo elle hein. Je suis vraiment la pire goliotte. C'est vraiment une merde. Bon, on voit que c'est le winner bracket. Il y a beaucoup plus de monde et je crois que là, les gradins sont remplis. Aïe aïe aïe. Ils sont où? Ils sont où? On se met en face de Falcon, ça je vous le dis. Ils peuvent pas aller être au milieu. Vu que c'est le winner bracket, c'est comme la finale en gros. C'est presque comme la finale. Non, je pense que c'est là. Du coup, y a les gradins ils sont remplis. On essaie de trouver de la place. On essaie de monter tout en haut là. On est passé par un sens interdit. Je sais pas si on a le droit d'être là. Non, c'est fermé. Let's go! Bon, au moins, on aura de la place vu qu'on s'est vide. Comment ça tue? Elle a eu le spot. Ça nous gâche un peu toute la reine. On se met où? On peut se mettre là. Heureusement que j'ai l'idée d'aller en haut là, on va super bien. C'est trop une dinguerie. J'ai que des idées de fou, tu trompes pas? Et là on voit bien les. Non, c'est mon idée. C'est mon idée. Pas de preuve, pas de. Nos proofs, Regardez la vue de baiser. Ouais, parfume-toi parce que bon, si je peux me permettre. Par contre, force à Adèle de nous trouver. Ah ouais, j'avoue. Non, c'est trop beau. Bon, on lui dit qu'on est tout en haut, comme ça après, elle se fait engueuler comme. Et c'est pas notre dos. Tu prends les escaliers. Bon, les gars, même pas eu peur, hein. On passe en finale avec Falcon. En vrai, c'était chaud sa mère. On a trop stressé. Et sur la dernière game, ils sont passés. Du coup, on va pouvoir faire une photo avec parce que sinon, je pense qu'ils auraient eu la flemme. Tu fais pas de photo? Non. Ah ouais? Peut-être que je filmerai pour le vlog. Ouais, c'est Kila Yankee qui va payer 60 euros pour un pull. C'est moi. Et pourquoi il a dit que j'avais raison de pas prendre votre truc nul là? Il a dit genre c'était de la mauvaise qualité. Et il va où comme ça? Bon bah salut à qui hein. On est tous réunis là, on va faire une vidéo pour passer dans les écrans là. On est à l'aise hein, tout le monde est content. C'est un peu cringe quand même. C'est bon. On va voir la team Falcons et Moist. Bon là on va faire des petites photos. La queue pour les meet and greet. Et nous on passe, on va passer devant tout le monde du coup. Il y a une queue tellement grande.
voit pas le fond, mais terrifiant. Regardez, donc là c'est Elia en fait, elle faisait la meuf et en fait elle veut qu'on se finisse son truc, voilà, elle a plus de 30 ans. 33 accessible. Aïe aïe aïe. Je suis trop contente. Je m'excite. Mais non, je suis premier quoi, pas dans le deuxième. Bah ouais, mais justement, ça m'excite en fait. Bon, là on sort de la LAN, ça fait du bien, de l'air frais. Ah, ça fait du bien. On va récupérer le Uber que Kichi a commandé pour aller manger des petits ramen, je crois. Ouais, des ramen. Et Adèle, elle a trouvé quelque chose. Ils sont trop beaux tes talons, wesh. Ils sont beaux. Ah ouais. T'as vu, c'est pas mal, hein. Le vlog, il est parti en couille. Ouais, pardon, j'avais oublié. Attends, je vous gratte l'œil avec vous. Bref, on va manger des ramen. J'ai hâte, même si j'ai pas faim. Let's go! Bon, j'arrête de dire let's go, j'ai dit! T'as changé de pantalon, je me demande bien pourquoi. En gros, tout à l'heure, on était en train de regarder du coup le winner bracket. Et j'ai ouvert ma limonade et elle a explosé. Mais quand je dis elle a explosé, c'est que vraiment elle partait. C'est vraiment parti fort, hein. On est mis partout sur moi, Ilia, et sur le mec devant moi. Le mec devant moi, il m'a regardé mais trop mal. Mais vraiment trop mal, j'ai cru que ça allait me tuer. C'est un mec baraque, tu vois. Genre un américain, on aurait vraiment dit le typique à l'américain qui a un gun dans la poche, quoi. Ancien militaire et tout, genre il était habillé un peu avec une casquette militaire. Enfin, bref, du coup, j'étais pas très à l'aise et j'étais un peu dégoûtée. On était dégueulasse quoi. Je me suis pas changée. J'aime bien, je crois. J'ai baigné dans la limonade. Le gros sport. Regardez, ça c'est un truc au matcha. C'est une limonade au matcha, c'est trop trop bon. Yummy. Oh là là. Toujours avec du Apex, forcément. On adore. Je viens de payer ce verre. 17 euros, extrêmement cher. J'espère que ce jean est exceptionnel. Chaque gorgée va me coûter 1 euro. J'ai intérêt d'en faire au moins 17, sinon ça fait très cher la gorgée. Je regrette un petit peu mon achat. J'aurais peut-être dû partir sur le burrito, il était pas si cher finalement. 13 euros le burrito. 13,50€, ça reste cher. Ouais, mais c'est moins cher que le mien, quoi. Je suis un peu sale. VFR. Hello, tu vlogs. Du sable. Je demande à personne, j'ai rien à foutre. Observé d'un coup. Salut, ça va? Oui. Il met tellement longtemps à faire les cocktails qu'on en a pris deux d'un seul coup. La base en fait. Oh l'alcoolique. Moi il m'a coûté 17 balles, j'en prends qu'un, je te le dis. Le bar est fermé, donc on prend à l'entrée de l'hôtel une canette de gin tonic. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On s'alcoolise comme on peut, les gars. Quelle est cette chose? Demain, on va être en forme pour le tournoi. Avec les deux zigotos là, on est bien? Top 1 assuré. Demain, t'es MVP sur l'écran ou pas? Logique. Dernier jour de la LAN, les gars, aujourd'hui il y a la finale et il y a le show match sur scène avec Adèle et Elia. Ça va être très dur. On est en pleine forme, on a dormi, on a bien dormi, on a pris des vitamines hier et tout. Non, hier on est sorti et on a découvert un truc en Belgique, c'est qu'il y a des canettes où t'as déjà des mélanges d'alcool avec le diluant. Pire découverte pour Elia et moi. J'ai dit Belgique. Ah, en Allemagne. Non, ah oui, je sais pourquoi j'ai dit Belgique. C'est qui m'a dit qu'il y avait ça aussi en Belgique? Je crois que ouais, c'est Axou. Et du coup, mon cerveau il est en... Parce qu'il y a aussi ça en Belgique, non, en Allemagne. Et ouais, du coup, on a fait des allers-retours à la station service hier et on a peut-être un peu trop bu. Enfin, du moins, on a bu beaucoup d'alcool différent. Et là, c'est dur. Moi, on a une excuse. On dira, bah, on a fait top place, mais en même temps, on est sortis, les gars, hier. C'est... Non, on aurait fait top 1. Non. Okay. Non, en vrai, ça va être très très dur. J'ai pris des lunettes de soleil pour paraître inaperçu. Et let's go se faire laver le cul. Et après, on regarde Falcon gagner. Tout à fait. Non, moi, je suis pour Not Moist. Pourquoi? C'est terminé. Je trouve l'homme de ma vie dans cette team. Ah, mais regardez-moi, c'est alcoolique. Dès le matin, une petite binouze. Midi. Alors, pas une, déjà, c'est la deuxième. C'est la deuxième, cul sec. Oui, toujours. Attends, mais tous, on a tous des gueules de déterrés. Moi, j'ai même pas gobelé. Moi, en vrai, c'est l'alcool qui va détruire. Ouais, les gars, qui veut nous remplacer? J'ai pas de badge, je peux pas jouer sur scène. Oh non, trop chiant. Oh non! Les gars, voilà, il fallait que j'oublie mon badge pour la finale des LGS. En espérant que je puisse rentrer parce qu'il faut qu'on aille sur scène dans 10 minutes et j'ai pas le temps de faire l'aller-retour à l'hôtel. Il y a au pire, en vrai, tu joues pour deux. Hein. Ouais, de ouf. T'as le niveau. T'as le niveau. Tu prends le clavier souris dans les mains et avec les pieds, tu joues la manette. Ok. Tellement habile des pieds en plus. Parfait, c'est bon. Le plan est en marche. Marie la boss m'a fait refaire un badge et malheureusement, je vais devoir jouer ce match et faire bottom.
j'ai peur. En vrai, je commence un peu à stresser là. Un petit peu beaucoup. Tu fais trop la star, toi. S'il te plaît. Je suis en gueule de bois, laissez-moi. Juliette, normalement, c'est toi le menteur de cette équipe. Ah, mais frérot, j'ai le moins de mental de la team. Tu ne peux pas. Je suis le pire IGL de France. Adèle, elle a trop de mental, mais parce que Adèle, elle s'en bat les couilles. Elle est en mode YOLO. Elle en a rien à foutre de tout, j'aimerais trop être comme elle. Briefing. Les gars, c'est parti. Je commence à stresser 3000. Je suis pas bien. Donc là, on est dans le backstage des joueurs et on arrive sur scène. Je stresse. Oh, il y a personne au public. Par rapport à elle, c'était rempli. Ça tourne dans 15 minutes et il y a personne. Adèle qui a oublié, qui a perdu sa touche. Écoute, regarde. Échappe. Sur un bon clavier, ça bouge seul. Ouais, ça va. On a fini combien, Adèle ? La dixième. On a fini avant dernière. On a fait beaucoup de kills, hein. Vraiment, on a enchaîné. Elle a été aimée par le caméraman. Elle est passée en grand écran. N'hésite pas à m'envoyer ton numéro de téléphone. Top, avant dernière pour des meufs bourrées qui ont pas beaucoup dodo. S'en est pas mal sorti. C'était cool de jouer sur scène, c'est ça qui est le plus fun. En vrai, on savait qu'on y allait pas pour gagner, ça c'était sûr. Mais en vrai, moi j'ai grave kiffé l'expérience sur scène. T'as kiffé ? Franchement, moi j'ai kiffé, expérience de ouf. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et que je serai meilleure. De toute façon, là, elle a dit, prochaine fois que vous la voyez sur les écrans, les gars, de Play Apex, elle sera pro. Ouais, j'ai décidé de faire une carrière. Elle abandonne son métier, elle a dit, je vais être pour être pro en fait. Et toi, Adèle, t'as kiffé de jouer sur scène ? Ouais, franchement, j'ai kiffé. Le format, il permet de pas être pas trop frustrant. Voilà, c'est trop bien. Dommage pour les spectateurs après avoir joué les meilleures joueuses qui doivent regarder la finale des ALGS. Normalement, on est trop bien placés. Franchement, on est à un rang derrière. Là, Falcon, ils sont tous là-bas, mais on a TSM juste ici. Et je mange. Voilà, comme une merde. Et c'est devenu fan not moist. Ouais, de ouf. D'ailleurs, quand tu vas devenir joueuse pro, tu vas chez eux, non ? Moi, je serai juste leur groupe. Ah ouais ? Après, t'as un petit propal. Beaucoup de propal. Donc voilà. Du coup, on bouffe comme des merdes en attendant parce qu'il y a trop de gens et on n'a pas envie de faire voler les places. Donc on attend. Les gars, on est un peu fatigués. Voilà. Petite session café, je déteste ça, mais là, pas le choix. on est en train de s'endormir, il y a déjà 8 games là. C'est dur. Du coup, le crash test, on va voir si c'est dégueulasse ou si c'est pas si dégueulasse, mais quand même un peu dégueulasse. Mais attends, mais ça fait 40 pots de crème café. Mais je t'en ai mis au moins 10, c'était au moins. Parce que de base, je mets du lait, il n'y a pas de lait, il y a des petits trucs de crème avec 2 centimes. C'est délicieux. Je vais mettre 2-3 sucres en plus. Hop, on refait les stocks pour bien continuer la soirée.
je suis un peu deg, genre bon Falcons dernier, enfin 20e sur 40, mais bon 20e en finale quoi. Et TSM vraiment ils ont trop bien joué, j'aurais trop aimé les voir gagner. Ou TSM ou Alliance, ils ont trop trop bien joué. Alliance ils vont s'en vouloir, hein. Ils sont morts à la fin de la zone, il est mort de la zone frère. En 2v1 il est mort de la zone, du coup il a laissé son mate en 1v1, enfin bref c'était trop stylé. Vraiment la finale est trop bien grâce au match point, c'est intense jusqu'à la fin. Tu sais jamais qui va gagner, on a tous été choqués que ce soit SSG parce qu'ils sont partis de loin, franchement ils sont trop forts mais ils ont très très mal commencé. Non, c'était trop cool, GG à SSG, et trop triste pour TSM et Falcons. On vient d'arriver à l'hôtel, là ça va prendre une douche parce que vraiment je suis explosée, vraiment explosée, je me sens sale. Les émotions de la finale, plus le fait qu'on a joué sur scène, le stress, plus le fait que hier on est sorti, la gueule de bois fait que je suis KO, vraiment. Là je pense que ça va se doucher, on va descendre vite fait, boire, et je vais aller me coucher tôt parce que demain je pars à 7h. Bref, je sais pas si le vlog se cut là, sinon je vous fais un bisou. Sinon, vous allez voir la soirée et je ferai un bisou après. Bye!